Bonne nouvelle pour les populations du Nzianwa et Abadjendoumé. Longtemps restées sans système d'adduction en eau potable, leurs localités seront bientôt équipées par l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Pour le village de Nzianwa, dans le département de Tiassali, est prévue l'installation d'un système d'approvisionnement en eau potable et pour Abadjendoumé, non loin d'Abidjan, la construction de 3 forages. À travers cette aide, dont le montant total 97 millions de francs CFA, nous souhaitons que toute la population de la Côte d'Ivoire soit bien équipée d'approvisionnement de l'eau. Nous voulons travailler dans ce sens parce que l'eau est vitale pour la vie humaine. Des bénéficiaires heureux qui promettent prendre soin de ces dons en cours de réalisation. Nous sommes arrivés à la signature du contrat de don qui nous permettra dans quelques jours d'obtenir 3 forages, dont un au niveau de l'école primaire d'Abadjendoumé, pour permettre à nos enfants désormais de rester à l'intérieur de l'école, étancher leur soif. Cela va nous permettre d'avoir à résoudre nos problèmes d'eau. Comme c'est une machine qui traite les eaux de surface, la plupart de nos populations qui ont des problèmes d'eau auront à boire, auront de l'eau à porter demain. Cette aide financière du Japon est destinée à fournir un soutien direct au projet de développement élaboré par des structures communautaires, ONG, collectivités entre autres, en faveur de la population.